L'avez-vous déjà vu? À présent, nous allons voir le pasteur Jean-Gérard Pierre-Louis. Dans le premier message, il y a un événement. Ça. Sous chalet, mais on. La main du pasteur Gérard. Après, mon Dieu, avant l'église. Mon Dieu, bénis-nous. Crie avec béni soit éternel. Béni soit éternel. Loué soit l'éternel. Loué soit l'éternel. Mon Dieu, bénis-nous. Non, dis mon Dieu, merci. Pour. Si grande opportunité qu'il a accordé avec moi, spécialement, avec l'Église chrétienne de la grâce en général, et avec vous-même qui là, tout spécialement pour le grand moment qu'on a passé ensemble dans la présence de Dieu. Nous réaliser c'est plus bon côté que on nomme carré. C'est dans la présence de bon Dieu, pas vrai? Et ça fait David dit ça, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. C'est plus gros côté. C'est plus gros côté. C'est bon, c'est côté au plus bien, c'est côté au plus à l'aise, l'on en présent et bon Dieu. Et ça fait à tout le monde qui l'a, à tout le monde qui connaît ça, ça veut dire, la présence de Dieu, mandez-vous pas quitter rien, retirez-vous en présent et bon Dieu. Amen. Amen. Pas qu'il t'en rien retourne en présence de bon Dieu, n'est-ce pas? Pas qu'il t'en rien au monde. Dans la Bible, c'est sous ça. Dis-nous, qui ça plus important, eh bien, que nom ou nom. Est-ce que c'est l'argent, non? Est-ce que c'est richesse? En rien, pas qu'à comparer avec nom à soi. Et ça fait un bruit en grâce. Au nom de l'évangile que m'a prêché, eh bien, prie pour rester là. Dans présent bon Dieu. Pas qu'il y ait faut perdre la présence de Dieu. Nous disons merci à et l'église dans son entier, à pasteur, à équipe collaborateur qui travaille ensemble avec lui, pour l'invitation qui a été faite à l'église chrétienne de la grâce. Et ça fait nous content en pile. Et pour nous dans l'église chrétienne de la Pentecôte, nous disons mon Dieu merci. M'était rentré là une seule fois, c'était non funérailles. C'était funérailles Père Henri, Henri Robert. C'était, tout le monde connaît sous nom Père Henri. Donc c'est dans funérailles ça, non matin. Et bien, m'était venu dans funérailles ça. Après, c'est deuxième fois que nous là. Mais c'est pas parce que nous pas te reconnaître, au contraire, et à distance, nous t'es capable, parce que t'es capable d'imaginer qui est, qui personnage ça, moi-même t'es capable d'imaginer le tout, mais dans l'esprit, moi, je connais que nous qu'on a habitué déjà dans quelques activités ensemble. Nous songeons, l'aime t'es fait qu'à commencer son travail, et bon, là, quand même, on va châtiler. Mwen te gwen rankontou lè, mwen sonje mwen te ekri li te nan rankont la avèm. Mwen sonje nan chemin de vi ke nou te fè pati de konsey pastoral l'eglisa, de konsey avè pasteur Antoine Salvan. Mwen sonje ke pasteur a kon vin preche l'eglisa. E mwen sonje nou kon nan rankont ansanm. Du for, nan asosyasyon ki lè apuk, nou kon nan rankont la ansanm. E aswaya nou... Nous pas un mot pour nous remercier mon Dieu. Nous pas un mot pour nous remercier mon Dieu. Mais seulement louer nous. N'a seulement mettez nous disponible, n'a seulement mettez nous disposer à chaque moment que vous avez fait appel avec nous pour le travail de Dieu, eh bien son moyen pour montrer nous reconnaissant envers le Seigneur, n'a répondre présent eh bien pour le travail là. À ce soir nous gain un bel thème autour de lui-même. Nous parcourons déjà plusieurs jours.
assurément, plusieurs prédicateurs intervenus déjà, eh bien, sous thème, non, que nous venons d'Apocalypse, chapitre 2, tout verset 1 à 7, spécialement, eh bien, Radio Phare, bam l'évangile, bam l'évangile, bam l'évangile, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce qu'on va répéter ça avec l'église? C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous pas besoin de lire tout passage là, nous pas besoin de lire tout verset là, parce que faut nous simplifier tant et suivant Jean Pasteur a mandé nous et ça fait tout gain et message là gain droit eh bien pas fin et prêcher et mais quand même la demande le Saint-Esprit de Dieu pour dire l'essentiel à soi autour de ça que nous avons parlé avec vous. Nous lisons dans le livre Apocalypse. Permettez-moi même si tant apprécié pour nous dans moment ça mais pour nous faire quand même une brève historicité et bien de livre ça peut-être bien prédicateur fait déjà ça fait nous pas font bagarre en profondeur mais n'a font une historicité et bien quand bien même de lire ça tout le monde connaît là Nouveau Testament li commencé par 4 évangiles et 4 évangiles ça yo yo raconté nous la première venue de Christ sur la terre. 4 évangiles. Si 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont tracé pour nous, ou bien raconté nous en quelque sorte, la première venue de Christ sur la terre, eh bien, Apocalypse, c'est le dernier livre dans le Nouveau Testament, la donne que nous faisons lecture avant là, bon côté parle lui-même, lui parle essentiellement de la seconde venue de Christ ici-bas, sur la terre. La seconde venue de Christ sur la terre. L'Apocalypse, lui retrace ça. Eh bien, pour nous. Et Apocalypse, lui développe un paquet de gros événements qui va arriver dans la fin temps. Paquet de gros événements. Comme, par exemple, disparition de l'ancienne terre et peut-être apparition de la nouvelle terre, apparition des nouveaux cieux, le règne millénaire, tout ça, condamnation éternelle de Satan, jugement des morts, la nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, qui retrace pour nous les chrétiens dans la gloire éternelle, comment ça va aller, comment on a bien, comment on a fini à toute bagaille, comment nous pas besoin de porte pour caillou encore. Comment nous pas besoin, eh bien, zam, nous pas besoin, eh bien, gain bodyguard, nous pas besoin gain moun bo côté nous pas besoin manchette encore, nous pas besoin aucun zam encore, dans la gloire éternelle, eh bien, toute bagaille pralé bien. Toute bagaille avec la présence de Dieu, toute bagaille pralé bien. Et ça fait à l'âme de vous, plutôt moun t'a perdu toute bagaille, mon pas perdu avantage ça, la gloire éternelle, pour pas perdu ça. C'est plus gros bagaille que le monde pas jambe, pas jambe, pas jambe, qu'a fin défini, ni fin comprendre. La gloire éternelle. Livre ça, bien aimé, l'été écrit en 95, entre 95 et 96, il y a certains exégètes, et qui prend 95, l'autre prend 96, il y a l'autre qui fait le juste milieu, mais c'est pas ça qui intéresse nous aujourd'hui. Et, il prend 95 ou 96 là, c'est pour être capable yo situé à partir de date que Jean t'est exilé dans l'île de Patmos. Et sous règne, nomme ça que yo t'es le Domitien, qui t'est mouillé en 96. Et ça fait yo situé, eh bien, livre ça, date rédaction livre ça, entre l'an 95 et l'an 96. Mot grec qui traduit Apocalypse ça, c'est Apocalypsis, qui signifie révélation. Et c'est à partir de traduction grecque là que nous parlons du livre ça, le but de l'Apocalypse, c'est révéler les événements qui ont lieu immédiatement avant, durant et après la seconde venue de Christ sur la terre. C'est ça Apocalypse a fait. Lui retracer tout événement qui vient pour produire, soit immédiatement avant la venue de Christ, soit pendant la venue, soit après la venue de Christ, tout ça qui est pour faire, eh bien, livre Apocalypse, ça, lui retracer. Et ça le fait,
Yo dit nous que le livre ça, eh bien c'est un livre à portée eschatologique parce que il visait eh bien tout événement futur yo, eh bien livre Apocalypse là, il visait. Pas besoin eh bien t'a dit nous ça. Et moi que tout le monde là connaît que auteur livre ça, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean c'est auteur livre ça. C'est monsieur que Dieu Jésus-Christ eh bien Dieu t'a révélation ça. Révélation eh bien pour sur toute bagage pour arriver. Surtout l'événement que vous produisez, c'est Jean qui a une révélation ça. Eh bien, il est l'auteur de ce livre, le livre de l'Apocalypse. Si nous t'appelons, mettre moi garder dans le premier verset, ou après quelques mots là, nous ne pouvons pas rester sous l'ange de l'église, hein, les sept étoiles, les sept chandeliers, etc. Nous ne pouvons pas rester sous ça, mais si nous t'apprenons verset 20e dans l'Apocalypse première, eh bien, la montre ça, la définit ça pour vous, la dou qui ça représente. Dans Apocalypse 1er, verset 20, l'abdou ça a représenté. L'abdou, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc c'est ça, eh bien, comme terminologie à partir de Mosal. Maintenant, bien aimé, je voulais rentrer avec vous. Dans trois grandes remarques que vous besoin faire dans le livre Apocalypse. Trois grandes remarques que vous besoin faire spécialement, eh bien, à première lettre ça qui t'est écrit, et lettre ça t'est écrit à l'église d'Éphèse. Je te considère Éphèse, eh bien, comme la plus grande ville d'Asie mineure. Et Éphèse, c'était un port, c'était un grand port lié, côté bateau, eh bien, t'as chargé, côté bateau, t'as vu décharger, c'est un grand port. Qui était relié les différentes villes et bien d'Asie mineure à l'époque. Et c'était là tout en Éphèse et bien ils étaient placé top déesse qui était relié Diane. Ça veut dire que c'était une ville et bien côté moun yo était croire en pile dans idole, côté grand pile moun qui n'a pas d'idole, idoles malgré que moun qui était toujours à défendre le nom de Christ, mais était grand pile moun et bien qui était croire dans idole et bien à travers et lecture après ça. Bien aimé, trois grandes remarques que je vous fais à soi-là. Premièrement, c'est éloge que Christ a fait à l'église d'Éphèse. Éloge que Christ a fait à l'église d'Éphèse. Ça lui est le compliment ou bien félicitation. Deuxième bagage, c'est reproche que Christ a fait à même l'église ça. Et troisième bagage, c'est ton invitation que Christ a fait à l'église ça. Une invitation à la repentance. Et non, et là que Christ a parlé à l'église là, verset 2 et 3. Moi, Christ a dit l'église là, m'kon travail ou yo, m'kon persévérance ou, m'kon est que ou condamné crime ou condamné méchanceté ou pas d'accord moun ka fait mal. Et ou gen capacité pour identifier les faux apôtres. Si m'ta dit ça ou bien les faux prophètes, les faux docteurs. Eh bien, Christ dit l'église là, non, et là qu'elle a fait, moi connaître qu'on souffre en pile et bien pour nom. Moi connaître qu'on fidèle, moi connaître que l'église a son église et bien qui persévérante. Moi connaître ça. C'est éloge que Christ a fait et bien à l'église là. À soi bien-aimé, nous t'a besoin dans l'autre temps pour nous prendre l'église à dans l'autre contexte. Mais en attendant après tenir l'église d'Éphèse là pour montrer qui ça. Pour montrer que malgré tout éloge que Christ a fait pour l'église là, mais l'église a été une faiblesse là-dedans. L'église a été une bagaille qui pas allé bien. L'église là, c'est une bagaille qui pas marché bien. C'est pour me dire à soi bien-aimé, pas jamais connaît eh bien toute bagaille finaux condamné. Et c'est ça pour faire pour retourner sur vous. Et ça pour faire pour repasser la vie. Et ça pour faire pour prendre conscience de vous-même. Pas jamais connaît et qu'on chrétien doué. C'est tout le temps, eh bien, pour chercher, eh bien, petit bagage qui peut aller bien dans la vie. Tout le temps pour checker. Même Jean-Paul t'a dit à Pep Corinth là, dans verset 5, dans 1 Corinthiens, verset 58. Hein, il t'a dit ça, 1558. Il dit, si mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Vous comprenez l'épreuve du peuple là, travaillant de mieux en mieux. C'est pour le dire peuple là, pas jamais satisfaire, eh bien, des sorts fin faire pour bon Dieu. Amen. Chaque fois qu'on fait pour mon Dieu, réaliser quel bon vide, quel bon manquement, eh bien, qu'on s'en va progresser, qu'on s'en va chercher à faire le plus bien, qu'on va chercher à faire le plus bien toujours.
plus on travaille pour mon Dieu, plus on voulez faire effort, eh bien c'est plus mon Dieu a bon grâce pour travailler pour lui. Malgré tout ça, au fin de l'église là, Christ fin dit, mais t'as fait l'église en reproche sévère. Il dit l'église là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que, en dépit de tout ça, l'église a fait persévérer, travail, raï méchant, identifier apôtre, mais l'église a gon bagaille, qu'elle était en faiblesse la donne. Qui s'allie? L'église a été perdu, eh bien, profond attachement qu'elle devient pour Christ là. L'église a perdu. C'est pour nous qui ça bien aimé. Ou qu'on, des fois, nous qu'on mettons moun campé là, moun n'a pas travail. À nos yeux, nous réaliser, dans ce humain, nous réaliser que. Radio Phare. Bam l'évangile. Bam l'évangile. Bam l'évangile. Et pourtant, pour Christ, moun sa gon reproche. Amen. Pour Christ, moun sa gon reproche. Malgré que nous, elle prale bien, malgré nous penser, il prêche bien, il dit bagaille bien, il dit de bonnes choses. Mais Christ, qu'on gon reproche. Eh bien, pour moun sa. Peut-être, par contre, qui reproche Christ à faire. Pendant que vous avez dirigé pour lui, pendant que vous avez chanté pour lui, pendant que vous avez contribué pour lui. Mais un seul bagage qui me dit, pas quitter ce Christ qui reproche vous. Cherchez reproche ou, cherchez faiblesse ou, reconnaître faiblesse ou, et dégagez vous, eh bien, pour faire ça bien. Pour Dieu qui a pris plaisir la donne. Dans Somme 24, il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a l'âme innocente et le cœur pur. Ça veut dire que, des fois, nous sommes là, n'a pas chanté, n'a pas adoré, mais que nous, pas dans l'adoration. Amen. Moun qui pas adoré, il pas adorateur que Christ. T'as cherché ou bien Christ a demandé. Eh bien, tout vous gon reproche. Christ gon reproche pour dans ce sens ça. Des fois, nous connaissons, moun nan prêche bien. C'est vrai qu'elle prêche bien, elle dit de bonnes choses. Moun nan adoré bien. Mais pourtant, pour Christ, gon paquet vide, gon pile faiblesse, qui besoin, eh bien, traiter. Qui besoin repenser dans le moment ça. Et c'est ça fait dans Matthieu 7, verset 21 à 23. Son texte, nous ne pouvons pas quitter, nous aimons en pile. Il dit, tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, et pas tout qui parle dans le royaume. Non. Mais c'est seulement ça que volonté pas, papa qui est dans le ciel là. Avec quelqu'un doit chanter, mon parfait volonté, mon Dieu. Ou abandonner premier amour, jonter ou perdre route l'évangile ou casser dans la route. Comprenez? Donc, tout le monde a gardé, eh bien, comme un monde qui a fait bagaille sérieux. Même si on a gardé Saül, eh bien, comme un grand roi, comme un homme de Dieu, en plus, le monde a pris son apparence. Mais Dieu te dit dans la parole, en vérité, Saül, son homme qui me rejeté déjà. À soi, combien de monde qui travaille pour mon Dieu? Combien de monde qui a prié? Combien de monde qui a activité? Combien de monde qui a chorale? Combien de monde qui a adoré? Combien grand prédicateur que Christ déjà rejeté? Pour qui ça? Parce que y'a abandonné premier amour y'a. Ça a été gagné dans mes y'a. J'ai été prendre l'évangile là. J'ai été dans l'évangile là. J'ai été comprendre mon Dieu. Y'a pas comprendre ni comme ça encore. Christ qu'on reproche pour assoya sous comme ça. Il dit, eh bien, grand pile cap dit moi, mettre de qu'on prêcher pour vous, mettre de qu'on diriger pour vous, mettre de qu'on a la mission pour vous. En pile cap dit ça. Mais Christ dit, m'a dit, en vérité, m'a jamais connaître nous. Amen. En vérité, m'a jamais connaître nous. Ça fait ça. Parce que, pendant nous t'es là, nous t'as fait travail pour Dieu, mais que nous, pas pour bon, pas pour mon Dieu. Pendant nous t'es là, nous t'as montré nos activités, mais que nous pas attaché avec bon Dieu. Autrement dit, nous perdu, eh bien, premier amour que nous t'ai gagné, première façon qu'on adorait bon Dieu, je nous t'ai comprendre bon Dieu, je nous t'ai égaré dans l'évangile là, eh bien, nous venons trouver qu'on y a genoux trois calés, qu'on y a nous tomber dans la modernité, dans l'évangile moderne, ou l'évangile jouette, l'évangile grindant, ou l'évangile, c'est pas Christ qui dit ça, en pile protestant, qui mot ça. Eh bien, dans la troisième bagarre que je voulais montrer, dans l'église là, eh bien, c'est l'invitation que Christ a fait à l'église là pour le repentir. Christ a dit l'église là, sous pas repentir. Sous pas repentir, m'a retiré chandelier mieux. M'a retiré chandelier dans le temps. Qui symbolise la lumière, la présence de Dieu. Avec des gens qui n'ont pas sous repentance, eh bien, la présence de Dieu pas qu'à dans la vie. Quel que soit mon nom.
de pour pas nos repentance, de pour vivre nos péchés, de pour vivre nos saletés, de pour vivre nos bagailles qui est petite ou perdu la présence de Dieu et perdu la présence de Dieu, c'est abandonner là l'amour, abandonner ton premier amour de pour perdre la présence de Dieu. Assoyez-vous, Christ releu et l'invite au. Si vous ne voulez pas reproche, même dans l'église, des fesses de prendre, et me senti que Christ, eh bien, t'es bien dit ça, hein, il dit l'église là, souviens-toi, donc d'où tu es tombé, repens-toi. C'est un appel à la repentance, un appel, eh bien, au premier amour. Souviens-toi, donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Combien de monde, nous avons dit ça, t'allais à là? Eh bien, qui perdit tout premier attachement pour l'évangile. Combien de monde, eh bien, goût l'évangile presque sort dans la bouche. Combien de monde, eh bien, qui là, mais qui sentit que j'onté, pas qu'on sent encore, qu'on faiblesse qui envahit. Ou pas, on te piché dans l'évangile. Ou pas, depuis on te pas là avant longtemps, j'onté obéissant. Mais qu'on y l'a perdu, ou perdu la grâce de Dieu, ou perdu la présence de Dieu. Mais ou qu'on chance encore. Tout on peut qu'on mourir, ou pour qu'on te passe au grand chance. Dieu relève et bien assoya à la repentance. Dieu relève assoya pour pratiquer et bien premières œuvres. Il nous soupe à pratiquer, ça m'a fait. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Avec une grande condition pour un premier amour, et bien c'est la repentance. On pas connaît assoya et c'est une logique. C'est ta monde vraiment. Eh bien, qui a toute lucidité nous, qui a toute conscience nous dans nous. Nous sommes capables de juger tête nous là. Hein? Même Jean-Apôtre Paul t'a dit à Pep Corinth là. Éprouve-toi toi-même. Nous sommes capables d'éprouver tête nous là. Nous avons moyen pour nous connaître qui j'en étais dans l'évangile. Hein? Est-ce que consorté? Est-ce que consort sans tout à fait l'évangile? Si je t'ai retiré le contexte. Et l'église Éphèse là, et puis m'tapren dans l'église locale là, l'église là, Kaimwen, l'église ici là, si m'tap considéré le comme ça, et bien m'tap dit ou bien aimé, perdu, et bien premier amour non, c'est perdu la présence de Dieu dans la vie. Parce que dans Jean 14, verset 15, la parole de Dieu dit nous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, sous quoi qu'on même ou besoin, respectez sa m'douyo. Combien de monde qui là maintenant désobéissance? Hein? Combien de jeunes filles là, mais qui a vu dans la désobéissance à la parole de Dieu? Combien de jeunes garçons là, c'est vrai qu'on là au présent, ou dans l'assemblée là, ou dans tout événement qu'a fait l'église là, mon gars t'as perdu la présence de Dieu. Bam l'évangile, bam l'évangile, bam l'évangile, perdu la présence de Dieu. Autrement dit, ou perdu premier amour non? Parce que monde qui t'a dit, on remet bon Dieu. Eh bien, c'est mon qui a marché droite. C'est mon qui était dans la volonté de Dieu. C'est mon qui comprend. Eh bien, sa parole, mon Dieu dit le faire. Et puis, il marchait selon la parole de Dieu. Il y a mon qui a abandonné premier à moi. Son monde qui perdu relation avec mon Dieu. Perdu relation avec mon Dieu. Perdu premier contact avec mon Dieu. Perdu première intimité avec mon Dieu. Assois bien aimé. Si nous avons une question, ça, nous avons comment un monde qui a abandonné. Hein? Comment mon cœur abandonne ou bien perdu premier amour là? Négligence c'est où là dans le? Négligence c'est où dans le bagage qui a fait perdre premier amour là? Et ça fait Paul tape dit à Timothée dans Timothée 4 verset 14, il dit ne néglige pas le don qui est en toi, pas négliger donc dans roi. Négligence son premier bagage. Et ça fait l'homme fait travail bon Dieu, fait le bien, fait avec cœur, fait avec nomme, fait avec l'esprit ou. Pas mettre dans tête ou venir travailler pour mon ici là. Ou pas vin travail pour équipe, ou pas vin travail pour pasteur, ou pas vin travail, eh bien, pour faire moun ouè, mon vin travail, parce qu'on son moun sauvé, même dans la Bible dit lui, puisqu'on sauvé, ou besoin de travail pour mon Dieu. Mettez dans tête, c'est raison ça, faut vin travail. Ou pas vin travail pour moun ici, ya. Et tout en senti que c'est pour mon Dieu à travail, ou à faire travail avec cœur, ou pas faire avec négligence encore, ou pas faire avec négligence, ou à faire bien. Dans Proverbe 18, verset 9, il dit, me senti la Bible a fait nous connaître que pas de monde qui néglige le travail de bon Dieu, qui a sauvé. Quel que soit le monde qui néglige le travail de bon Dieu, ou a perdu sous pas repenti. Sous ta main, assoué, on va le bon verset pour ça. Si assoué, tu as réalisé, eh bien, qu'on a un travail à faire pour bon Dieu, m'a qu'on s'allie, peut-être enseignement école dominicale, peut-être, eh bien, on propre tout qu'on fait l'église là, peut-être, m'a qu'on est, ou qu'on fait pour bon Dieu, mon t'as réalisé, campé sous lui, salut en question à soi. La Bible dit ça clair.
Dans Proverbe 18, verset 9, il dit, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et destructeur par notre bagage, que Satan le diable. Satan réservé pour Satan le diable, c'est l'enfer éternel. L'enfer éternel. Donc, quel que soit qui t'a négligé le travail, bon Dieu, assoya. Ou c'est candidat pour l'enfer, sous pas répondre. Assoya, on t'a voulu que tout le monde qui était là, qui travaille, bon Dieu, pour retourner, vienne prendre dans les. Tout le monde qui t'a abandonné premier amour pour venir chercher premier amour en Jésus-Christ. Tout le monde qui t'a senti, eh bien, une faiblesse qui manifeste en dedans. Et pas de consorter dans l'évangile. L'autre n'est pas de consorter. Et pas de consorter qu'on fait l'évangile là. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme qui dépend à la légère. Un engagement sacré, Proverbe 20, verset 25. Donc, l'homme qui travaille, bon Dieu, dans le monde, il faut parler pour importance. Faut parler l'importance. Premier amour symbolise tout ce qu'on fait pour mon Dieu en termes d'activité dans l'église là. Côté prédicateur, côté qu'on prêchait bien, côté qu'on adorait bien, côté qu'on exhortait, eh bien tout ça gagne comme don, comme talent, et qu'on négligeait à soi, il constitue le premier amour que vous abandonnez. Négligeant ça, c'est une qui fort. Ma prenne une seule avoir pour nous finir. N'a pas une seule avoir pour nous finir. Une qui fort pile, c'est orgueil. Orgueil, c'est une bagaille qui fait mon abandonner le premier amour. Orgueil. La Bible dit, dans Proverbe verset 18, l'orgueil précède la chute. Et tout le monde qui est orgueilleux, c'est le monde qui sourit pour chuter. L'orgueil. Ou pas longtemps, j'en ai up. Ou pas longtemps, j'en ai fait travail, bon Dieu, j'en ai fait la cœur. J'en ai eu un monde qui était up, ou t'es descendu, ou t'es humilié. Mon père, depuis l'offre, il prend un petit grade là. Hein? Ou pas depuis l'offre, il passe dans quatre frères, ou diacre là. Ou pas reconnu, il a changé de caractère. Ou pas depuis l'ovine, ou vin dame nan, ou vin président dame nan, ou pas de vous fin marié, ou pas de vous fin prendre promotion, ou pas yon négligent, dans le travail, bon Dieu. Orgueil. Ou vin senti ou trop gros, que baga ou pas ka fan encore, ou pas de vous fin prendre promotion, ou néglige le travail, bon Dieu. Assoyez à Dieu relé ou à la repentance. Et nous tout le monde qui néglige le travail, bon Dieu, qui la gué travail, bon Dieu, assoyez à Dieu dit m'diou que salut en question. À moins qu'on t'a retourné, viens prendre un travail là encore. Non, mais, moi, mon travail qu'a fait dans le dernier moment, ça, yo. Moi, réalisé qu'on paquet net, un paquet pasteur, homme de Dieu, qui est responsable de l'église, qui a pourri pour la vie de Dieu. La vie a Dieu. Il a pourri. Il y a qui quitte le ministère, qui parti, qui l'autre côté. Gene qui voyageait, gene calé, yo abandonné le ministère, et depuis au final, eh bien, ministère crasé, ministère a perdu rythme. Ce sont des hommes qui abandonnaient leur premier amour. À soi, combien de monde cap caché, hein, pour travailler, mon Dieu? Combien de monde cap couru pour travailler, mon Dieu? Combien de monde, eh bien, qui abandonné le travail, mon Dieu, à cause d'une petite promotion, un petit progrès que mon enfant fait, un petit progrès économique. Un petit corps qui en plus, un petit capacité intellectuelle qui en plus, mon senti que place pas là encore, il dépassait, il en compétition. Il pas d'accord encore pour lui être dans l'humilité. Bien-aimé, m'a dit ou à soya, m'a pas qu'on sait faire ou abandonner le premier amour. Est-ce que c'est capacité économique là, ou gagner? Est-ce que c'est commerce là qui a monté dans mon nom? Est-ce que c'est machine là? Est-ce que c'est belle carré là? Est-ce que c'est mariage là? M'a pas qu'on qui s'allier? Est-ce que c'est une classe là, université, qui s'allie? Mais un seul bagage qui m'a doué à soi, ou besoin rechercher premier amour encore. Amen, l'église. Ou besoin rechercher premier amour. Si c'est dans l'école dominicale, là, il faut venir reprendre. Si c'est dans le moment qu'on passe dans la prière, il faut retourner, vivre la prière. Si t'as envie de quitter ça, il faut retourner. Et maintenant, vérité qui compte au carré pour bien. C'est pas dans le bon Dieu, et bien pour yé. Bon, nous, dernier bagage, fermez la Bible là. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies qu'on les bonnes mœurs. Que vous n'avez soyez, qui perd du premier amour, c'est à cause de nos amis, vous n'allez? À cause de nos amis. Nos amis. Ou pas longtemps, on t'a fait l'évangile là bien. Ou pas longtemps, j'ai été respecté au réel l'église là. J'ai été présent dans le service. Mon père, de vous finir entrer, eh bien, c'est ça, en devant tout. De vous finir entrer, eh bien, j'ai une garçon ça, en devant tout. Ou pas, pas qu'à faire l'évangile encore. Il souffre, lui prend toute grâce qui n'en met. La paix, mon Dieu, avant, oui. Ou pas, longtemps, j'ai été faire l'évangile, l'autre pour qu'on tout. L'autre comprendre, mon Dieu, qu'on sait, des gens qui t'a prié, t'es sous genoux, qui t'a payé la prière. Ou pas, on t'a avancé dans l'évangile. Ou pas, y'a des gens de vous finir larguer au côté, ou faire l'autre contact là. Ou pas, une faiblinette. Ou pas, qu'à régler encore.
ou comme un Saül dans l'église là. À soi combien moun ki là? Quoi là c'est vrai. Mais esprit yo pa gon ken relation avec bon Dieu. À soi ya. Yo pa en connexion avec bon Dieu. Et ma douce temps a gaspiller. Même dans Matthieu 7 verset 21 et 23, il pral dou ça. Malgré te kon prophétiser, malgré te kon chanter, malgré te kon faire mission, mais Christ avec bouche li pral dou ça. En vérité, je ne vous ai jamais connu. Et puis devant dit retirez-vous de moi. Ouvrier d'iniquité. Ou t'es l'église là, c'est vrai. Mon t'as vivre dans le péché. Ou t'as vivre dans la saleté. Papa, pas de connaître. Maman, pas de connaître. Comité l'église, pas de connaître. Pasteur, pas de connaître. Mais Dieu, il te connaît. Il te connaît à soi. Est-ce que le pas bon pour retourner vivre le bon Dieu à soi? Est-ce que le pas bon? Eh bien, pour retourner vivre pour le premier amour, non? Graisse les mains, il n'a pas fini non mais ou pas fini desséché, ou pas tout nos ossements dans l'espirituel, malgré gros, malgré gras, malgré toute une activité, mon son ossement spirituel, ou desséché spirituellement, à soi Christ, voulez remettre viande non ou encore. Maintenant, il te dit à Ezekiel, Zosayo, m'a remettre chair là-dedans encore. Marron combien ossements spirituels qu'il a, mais celle d'Ara qui me connaît, de bouger volonté, eh bien Christ a mettre viande sous encore. Retournez vite chercher premier amour dans l'endé. Je vais aller à pas bon dans des jeunes filles. Sur route où est la main non loin dans des jeunes garçons. Route moi prend la dame non. Route moi prend la. Eh bien sœur. Route moi prend la frère. Route moi prend la. Pas bon pour nous. Sous pas casser tête retourner. Casser tête retourner dans l'endé. Il pas bon pour vous. On le manque à privé. Eh bien Christ va reprocher vous. Il va douce vous êtes là. Même pas de jambes reconnaître tout. Mais tenez yo chien. Ouvrier d'iniquité. Assoyez, je souhaite que bon Dieu nous grâce dans la miséricorde. Va aider pour faire l'évangile. Va aider pour rechercher le premier amour. Va aider pour fixer. Va aider pour connaître quand tu as perdu le premier amour. Si c'est un garçon qui prend le nom, si c'est un jeune fille qui prend le nom, si c'est un gant, si c'est un mambo, si c'est un baronné, si c'est un chauffeur qui prend le nom, un baronné, mon seul bagage que ma douce assoyez, ou qu'on peut laguer le premier amour. Ou besoin de laguer côté ça pour Christ remettre le coin dedans et qu'on ça au dernier jour. Il va nous bon et fidèle serviteur. Ou t'es fidèle dans tes bagailles. Qu'on y a un bras confié de grandes choses. Que bon Dieu bien nous, que bon Dieu garde l'église.